Il y a du son, mais c'est pas très fort au début. Il est temps de se réveiller, petit être. Alors oui, apparemment il y aura des flashs, peut-être du bruit. Enfin, de toute façon, le son il est pas ultra élevé, donc ça devrait pas être très gênant. Faut jouer avec une manette, la meilleure expérience, ça se fait avec un casque. Et voilà. Donc on se retrouve sur un jeu gratuit qui est sorti donc le 6 février 2024 au nom de Shippy A Short Adventure. Ça a été fait par Mister Suicide Ship, c'est le nom du studio. Seulement sur PC, un jeu de plateforme néo-rétro, hein, comme il faut. Et bah écoutez, on va s'y mettre. Alors déjà, première particularité, si jamais vous voulez essayer le jeu, ça j'ai mis du temps à comprendre, c'est que là j'ai la manette qui est allumée et ça ne marche absolument pas. Et en fait, l'astuce pour que ça marche, c'est qu'il faut éteindre la manette. En fait, la manette, il faut l'allumer seulement quand le jeu est lancé. Ce qui est normalement complètement l'inverse d'habitude. D'habitude, il vaut mieux avoir la manette allumée et ensuite Bon, tu t'éteins là au lieu de prendre des photos là? Au lieu de. Je sais plus ce que je disais là, j'étais perturbé. Mais putain, mais tu vas t'éteindre hein? J'arrive pas à éteindre la manette. Attends. Hop, voilà, là j'ai éteint. Et là, si je rallume. Qui va apparaître normalement. Ou alors c'est que j'ai pas de focus. Oh putain, et ça marchait tout à l'heure, ça marche plus maintenant. Quel plaisir. Ouais, il a l'air cool quoi. Alors attends, je refais. Hop, voilà. Je suis dessus là. On est ok. Donc là, je rallume. Non mais déjà, c'est une énigme pour pouvoir jouer avec la manette quoi. Ah voilà. Maintenant, la manette, elle marche. Donc c'est ça. Faut vraiment éteindre la manette et ensuite la rallumer. Quand le jeu est lancé, quoi. Je peux pas expliquer, mais c'est comme ça, c'est la solution, quoi. Ou alors faut jouer au clavier, mais alors là, bon, pas trop envie, quoi. Parce que en général, le jeu essaye de détecter la manette à son lancement, et pas une fois lancé. Bah voilà, c'est ça, Dark Steph, exactement, quoi. Donc on va se lancer. Alors le jeu est en anglais, hein. J'essaierai de vous traduire les choses, et si j'y arrive pas, bah, vous m'aiderez, on va dire. Et c'est parti. Vous me direz pour le son. Normalement, le son, ça va être bon. C'est juste là, il n'y en a pas trop pour l'instant. Ce n'est pas banal comme procédé avec la manette, mais il faut le savoir, quoi. C'est juste faut le savoir. Bah, j'ai vu dans les discussions de Steam, en fait. Hein. Parce qu'il y en a que forcément qui n'ont pas réussi à le lancer comme moi. Mais peut-être que ça ne fait pas pour toutes les manettes. Là, j'ai une manette pourtant Xbox One. Je crois qu'on peut pas faire plus compatible pour le PC, quoi. Donc apparemment, c'est une peluche qu'on va diriger, une peluche donc qui est un mouton. Et donc là, qui prend vie. Donc là, faut appuyer sur le bouton d'action plusieurs fois pour le réveiller. Voilà. Donc là, on est sur un petit piano. Alors déjà, j'ai vu qu'il y avait un secret direct là. Dès qu'on va à gauche, on a ça. Alors je pense que c'est des choses à collecter. Je sais pas ce que ça fait. C'est peut-être pour l'OST. C'est des disques, je me dis que. Qu'à la fin, ou je ne sais pas quand, on pourra écouter ces disques et en fait, ça sera la musique du jeu. Donc là, j'avance, je peux me baisser. J'ai un bouton de saut. Et c'est tout. Je sais pas si après, il y aura des pouvoirs ou autres. Je connais pas trop. J'ai fait quelques petits trucs. Hein. Je suis pas allé très loin. Alors là, les premiers pas. Je suis pas allé très loin dans le jeu. Parce que bon, je voulais garder la surprise. Mais en tout cas, c'est très beau. Je trouve que c'est vraiment joli. Puis on va voir ce que ça donne, quoi. Alors d'après les plans, l'entrée devrait se trouver quelque part ici. C'est là, je vais peut-être avoir du mal à traduire parce que quand c'est des enregistrements audio comme ça, le texte peut passer vite et si je bute sur un mot ou autre, ben rip quoi. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le mouton, enfin le personnage, peut s'accrocher donc sur les rebords. Alors je sais pas s'il faut forcément qu'il y ait
Merde, je voulais essayer de m'accrocher, mais si vous voyez les petites barres là en dessous, enfin les tire-bords, s'il faut qu'il y ait forcément ça pour qu'il s'accroche. Seul défaut du jeu, trop court. Ah, c'est sûr que si je le finis en 20 minutes, ça serait un peu con. Alors ça, ouais, je l'avais vu ça. En fait, je crois qu'on peut pas sauter, hein. Là, on pourrait croire que je suis mort, mais en fait, non. Faut juste que, apparemment, je le fasse revivre. Je pense que c'est normal. Et là aussi, il y avait un petit passage secret avec un autre 33 tours. Et je m'étais arrêté pas loin, au niveau du plan, à un moment donné. J'ai arrêté parce que, sachant que le jeu est court, bah, j'ai pas voulu non plus tout faire avant de faire le live, quoi. Mais bon, je pense pas que ça se finisse en un quart d'heure quand même. Ça durait un peu plus longtemps. Voilà, c'est là que je m'étais arrêté. Donc là, ça dit, on dirait qu'il y a un endroit caché sur la droite. Et en fait, là, on voit que le plan, c'est. On est là où se trouve le rond rouge. Et puis à droite, c'était le petit tunnel pour trouver les 33 tours. Donc je sais pas si on va trouver plusieurs fois ce genre de plan. Afin de voir un peu bah, où se trouvent les secrets, quoi. Moins d'une heure de souvenir. Ouais, faut pas trop que j'aille vite alors. Bah, l'ambiance est cool. Après, je sais pas si ça va tourner dans le dark ou autre, j'en sais rien. Merde. Non, ok. Là, à partir de là, je connais pas trop, par exemple. Quoi, je suis le chemin là. Il y a quoi là? Alors, cet endroit est énorme. Je pense que je me suis perdu. Bon sang. Je vais continuer à m'enfoncer, mais j'espère que je vais trouver un moyen pour remonter rapidement. Note perdue. Il est énorme le sac à dos, quoi. Enfin, en même temps, oui, j'ai une peluche. Alors, on va descendre en rappel, j'imagine. C'est où là? Oh, attends. Non, finalement, ça devient dark là. Attends, il y a un mort. Vous entendez ce message? Quelque chose s'est mal passé. Ça nous dépasse. Attends, là il y a un tunnel, mais à droite. J'ai l'impression qu'il y a une note là. Nous avons besoin donc de retirer ces débris. Je vais contacter Belgin demain. Belgien. Belgin, je sais pas. Janitor, c'est le concierge, non? Bon, je suis passé par là. Ah, mais c'est un petit peu en 3D là, l'entrée là. On voit que ça tourne. Tout n'est pas forcément en 2D, quoi. Marrant. L'ambiance fait très bunker, le FMV. Putain, il était bien celui-là. Je l'avais fait celui-là, le bunker. J'avais beaucoup aimé, quoi. Ce jeu se trouve sur Steam. Ouais, tu l'as sur Steam. Bah, t'as le titre là, normalement, du jeu là, sur le titre du stream. Et c'est. Ouais, c'est gratuit. À la rigueur, te spoil pas, hein, Peter Parker. Enfin, je vais pas te dire de quitter le stream, quoi, mais. Après, bon, tu peux juste regarder d'un œil et puis tu te le fais après, quoi. Mais disons que. T'auras peut-être pas de surprise, quoi. Ah, déjà, là, je sais pas si je peux pas y aller, là. D'accord, bon, ça marche. On aura peut-être un double saut, je sais pas si on a des pouvoirs ou autre. Oula, c'est une autre peluche ça? C'est un nounours avec un couteau dans le crâne? Ah mais ça c'est un truc qui ressuscite ça, non? Il y a des pics à gauche aussi. Hein. Ah mais moi je crois que ça restait mignon moi comme je... en fait... Pas de cheese. L'ours perdu. Ah, j'ai un boss alors. Ok, mais. Ah, non, mais attends, mais j'ai aucune attaque avec lui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi? Attends, mais. Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse? Attends, mais à gauche, il y a des pics. Faut que j'arrive à sauter au-dessus. Ah, énorme! Ah, l'accélération comme ça. Bon, faut que je saute au-dessus de lui. Hein. Attends, je saute haut ou pas? Ouais, bof, quoi. Je suis pas sûr que je puisse sauter au-dessus. Hein.
il va au bout, ok. Attends, il y a des boutons qui me manquent là ou... Parce qu'on est d'accord, je peux pas sauter à gauche, les pics ça va me tuer. Bon bah rip. Hein. Ok, je suis paumé. Qu'est-ce que je peux faire là? Putain, j'ai réussi. Oh, bah attends, c'est chaud! Oh, attends, faut le faire combien de fois? Parce que là, faut un timing de ouf, quoi. Mais c'est le combat qui dure une heure, c'est ça? Oh, bah, attends, mais je vais pas résister longtemps, hein, à force. Ok. Ah. Est-ce que j'ai gagné un dash? C'est que c'est merde. Ah, j'ai un double saut. Ah ouais, ok. Ah bah attends. Attends, attends, il y a un secret alors. Que je peux aller. Ah, je peux pas me remonter là? Ah merde. Ah, il y avait un truc en haut à gauche. Ok, bon bah. Plutôt que... Attends, mais il s'accroche à rien là. Ah, c'est bon. Attends, l'élévateur, la tour. C'est quand même bien animé, hein. Ouais, non, mais... Quoi cette ours là? C'est quoi cette ours de l'enfer là? Putain, mais saute! Fais quelque chose! Putain, mais c'est super bien animé, quoi! Bon, ça se passe mal, hein. On est bien loin du Super Ted. Je préfère d'abord les regarder avant de les faire. Tu connais ma patience légendaire. Oh, tu en as. Descent. Deuxième chapitre. Ah bah d'ailleurs, peut-être que... Est-ce que tu sais, Choupi, combien il y a de chapitres? Ça permettra de savoir... Quel... Enfin... Comment on avance, quoi. Ouais, c'est clair, non mais graphiquement, il déchire. Non mais attends, je suis encore mort, là. Téléphone. Estimate wait. Ah d'accord. Donc je vais attendre à l'infini qu'on me réponde quoi. Je crois que je connaissais la musique mais non. Pour l'instant c'est quand même cool. Cet endroit devrait alors switch off devrait s'éteindre bientôt. Si vous trouvez ceci, je vous recommande de quitter le plus tôt possible. Le chef. Il est vraiment beau. La musique est discrète pour l'instant. Bah. Par contre, on entend tout le temps la musique du téléphone. Putain, mais là, ça se trouve, il y a un secret en dessous. J'ai pas fait gaffe là quand ça s'est énervé là avec le. Avec l'ours. Oh la vache, putain, ouais, c'est. Limite, ça éblouit quoi. Ah, donc il n'y a pas de plateforme là. Bon, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a des. J'ai l'impression qu'on a des vies infinies. Ouais, les effets de lumière sont pas mal foutus. Hein. 6 chapitres, ah oui, d'accord. En bas, il y a du lore. Mais est-ce que je peux trouver un petit secret avant? J'ai peur que ce soit le bon chemin. Mais en même temps, en bas, est-ce que je peux remonter? Si je vais en bas, je peux plus remonter. Là, je peux y aller, mais s'il y a une porte qui sert... Ah non, ok, donc j'ai bien fait. Fini le 2. Après, bien sûr, hein, je vais pas faire... Ah, mais attends, le stick droit, ça permet de...
bouger la caméra un peu. Ouais, pas à 100% hein, forcément. Je sais pas où se trouvent les vinyles. Alors, dernier rapport. On dirait que chaque personne a réussi à évacuer correctement. Au moins chaque personne qu'on a pu sauver, quoi. J'ai traduit ça. Alors, j'ai réussi dans les niveaux inférieurs. Pendant, personne n'était là depuis un moment et j'ai pas eu le temps de les... Attends, je refais. Donc, j'ai réussi à aller dans les niveaux en bas de l'usine. Personne n'a été là depuis un moment. Et quelque chose de adding, ça je sais pas ce que c'est, ce qu'il veut dire. Enfin, les ascenseurs ont été déconnectés avec succès. Pour les utiliser, on doit d'abord réactiver le levier et appuyer sur le bouton. Secret. Ah, faut se baisser. Okay. Ah, je suis un ingénieur. Alors là, il y a un trou, je sais pas. Ça doit être le bon chemin. J'ai envie de tomber dans le trou. Ah non, c'est pas un trou. D'accord. Ça c'est peut-être le levier parce qu'il y avait quand même une sorte d'ascenseur tout à droite. Là c'est peut-être là celui qui l'active. Quoique non, il y a un levier là. Ah mais je vois, il y a deux diodes là. Qu'il y avait deux leviers pour lui. C'est grand. Genre, hein. Débloquer des succès sur Steam. C'est comme une fierté, oui. C'est vrai. Alors Thomas, si tu peux enfin trouver un chemin pour sortir de cet ascenseur bloqué, je t'attendrai dehors. J'espère que tu n'es pas mort ici, que tu mourras pas ici, ça serait vraiment stupide. Alex. Ah, je vous dis, hein, je me plante peut-être sur les traductions, hein, j'ai pas envie de perdre du temps non plus à essayer de traduire au mieux. L'idée est là. Ah putain, je crois que c'était. Attends, mais ça sert à quoi ça? Ah d'accord, ça me booste en fait. Ok. Ah, il y a des presses. Attends, fais voir. Ah oui, ça, c'est pas gore. Attention, vous n'êtes pas autorisé à aller en bas dans la zone 3 avant d'avoir votre équipement checké, enfin validé par les services d'autorisation. Belkin. Bah ouais, mais. Ouais, moi j'ai pas d'équipement, j'ai pas de choix surtout. Choupi, choqué, c'est une peluche, hein! Merde, je suis pas tour 24. Merde, putain, moi là, tu vois, je l'avais pas vu. C'est quoi, il nous teste là, c'est ça? Ok, ouais, en fait, il nous teste là. Donc ensuite, faut aller au storage. Évidemment, je le dis mal. La chambre 04, c'était ça. Cette personne autorisée sera sujet d'être banni, c'est ça, entre guillemets. D'une manière violente, quoi. Alors, la zone 3 est officiellement fermée. Si vous y étiez assigné à cette zone, voyez avec votre supérieur pour votre prochaine assignation. C'est pas le terme, mais ça ira. Hein?
Ah oui, d'accord, j'étais bloqué. Mais on voit rien là. Marrant ça, ce petit écran de chargement. Révélation. Donc là, on n'est pas à la moitié. À la fin de ce chapitre, on sera à la moitié. On voit rien là. J'aimerais bien zoomer là, mais. Affectation, ouais, merci. Ouais, corrigez-moi, hein, parce que bon, ouais. Je vous dis, hein, je fais ça à l'arrache, quoi. Donc, il y a un truc. Oh, petit lapin. T'as un petit lapin, mais. Une espèce de dash, là. Je pouvais pas aller à droite? Attends, parce que là c'est le bon chemin en haut. Enfin, j'en sais rien. Non, ça a l'air d'être le bon chemin là plutôt. Facture. J'ai plus de sous, hein. Pas trop cher alors. On dit l'opération hier. Je n'ai pas pu, j'ai pas eu le temps de lire. Quoi qu'il arrive ici, ils sont tous morts. Et ben, ça respire le bonheur. Hein. Ah, ça c'est cool. Petite entrée cachée. Pas. Faire tourner le siège. Ouais, vérifier la connexion encore. Je vois toujours. C'est rouge. Ce tremblement de terre a vraiment foutu le bordel. Qu'est-ce qu'il prend si longtemps, Anthony? J'ai vraiment besoin de ce foutu café. Oh, il est ref... Et ouais, c'est la merde. Ah, il y a une petite figurine aussi, là. Je sais pas si on apprend un truc, là. Ah, attends, il y a un levier. 1 sur 6. Ah, ça s'est allumé, là, au-dessus, là? Sur le plan? Le truc jaune, là? Est-ce que ça indiquerait pas les leviers, ça? Parce que là, ouais, ça ferait 6 points rouges. On dirait. C'est-à-dire que ce serait par là. Mais je peux pas descendre. Non, mais je pense pas que je suis ici, hein. Je pense pas. En tout cas, on a 6 leviers activés pour ce truc. Parce que c'est des leviers cachés. J'ai mal si je tombe de trop haut. Attends, parce que ça c'est le. Je sais pas. C'est quoi le bon chemin? Parce qu'il y a les lapins en bas là. Non, je vais aller voir les lapins. Quoi? Mais c'est juste en dessous les lapins. Oh putain, je suis obligé de. Non, mais j'ai craqué, non. C'était là le lapin? Ou c'était plus bas? Non, c'était là le lapin. Je sais plus. Mais non. Ça me dit rien, ça. Oh putain, et puis je peux pas revenir. Ouais, non, si, c'est là. Ah bah attends, il y a un levier, là. Putain, la chance. Attends, parce que là, il y a les lapins, là. C'est bien là. Cristaux rouges qui s'allument quand j'avance aussi parfois. Ouais.
Et là, ça se trouve, je suis sur le bon chemin, j'en sais rien. Attends, j'hésite à tomber dans les trous, là, juste pour voir s'il n'y a pas... Tiens, il y a un autre levier. Ah, ça, par contre, c'est pour un ascenseur. L'ascenseur, est-ce que c'est le bon chemin? Je sais pas. C'est bien, là, c'est un petit peu... C'est un peu ouvert, là, il y a plein de chemins possibles. Mais ça se trouve là les leviers c'est complètement secondaire. Tiens, je vais aller là. Je verrais bien un petit levier par là. Attends, merde, je peux pas là. Non, ça en dirait plutôt une sortie. Hein. Là-haut. Je m'éloigne pas mal là du début. Voilà, il y a des petits rebords là qu'on voit à peine. Ah. Un troisième. Celui qui est en bas à droite. Ah. Lui, je l'ai eu. Il n'a pas pu partir à droite. No wall back. No, no way back. Ah, c'est-à-dire, je peux pas faire demi-tour? Ou non? Attends. J'espère que ce soit la suite, ça, putain. Ah, ça c'est un truc que j'aime pas trop dans les jeux. Quand tu sais pas est-ce que c'est la suite ou pas, tu vois, et après t'es frustré parce que bah du coup, non. Tu peux pas explorer. Je suis tombé où là? Attends, mais c'est quoi ce chemin que j'ai pris là? Attends, ah non, c'est les cristaux. Mais là, j'ai pris un autre chemin totalement, quoi. Alors, c'est quoi ça? C'est un rapport là? Y'a quoi? Charcoal, quoi. C'est du charbon là? Enfin, coal, c'est du charbon, je crois. 54 tonnes, des cristaux, 23 tonnes. Copper, je ne sais plus. Du quartz. 89 000 tonnes, ouais, c'est énorme. Ah, bah, sinon, je peux toujours faire demi-tour. Je commence à me paumer. Je peux pas le monter et redescendre. Ouais, juste voir ce qu'il y a en dessous. Ah bah d'accord, en fait ça descend ça. Ouh. Oui. Il y a un mur invisible là ou c'est quoi là? Apparemment il y a un mur invisible. Bon, pourquoi pas. Ok, on reste deux à trouver. Par contre, what the fuck quoi? C'est quoi ça? Il doit y avoir une vitre, mais. Ils ont oublié de la mettre quoi. Enfin, de la faire apparaître quoi. Ah, en fait, je peux vraiment pas sortir de l'ascenseur quand c'est en marche. Donc, ok. Y a pas de map, hein, non. Attends, c'est faisable ça? Ouais, non, ça va. Mais j'ai l'impression que j'aurais pas dû arriver par là, quoi.
fait, ouais, pas du tout, quoi. J'aurais dû arriver par ici, je pense. J'ai fait le truc à l'envers, hein, comme d'hab. Là, je retournerai bien au début quand même pour voir un peu la carte maintenant. Si ça monte, hein. Ouais. Si les points rouges sont devenus orange. Oh putain. C'est bien ça, mais il faut que la caméra elle bloque. C'est sûr que je dois refaire tout un chemin. J'y étais allé au-dessus ou pas? Bon, j'en sais rien. Pour l'instant, on va faire plutôt. Je vais revenir là où je voulais aller, si je peux. Il semble que non. Quoi, pour le tableau que je veux aller voir? Putain, ça a l'air tellement d'indiquer les 6 pourtant. Ouais, si, si. Ça s'est allumé. Donc je vais aller tout à droite. Le chemin, c'est peut-être tout en haut là. Voilà. Ça fait une espèce d'échelle là. Donc d'ici, il faudrait que j'aille en haut à droite. Et une fois que j'ai chopé celui en haut à droite, je vais tout en bas. Et je devrais trouver les deux. J'aurai les deux interrupteurs, quoi. Donc là, il faut que j'essaye de rester en hauteur si je peux. Putain, attends, je me suis foiré. Oh putain, ça c'est magnifique ça. Voilà. Je sais pas, non, je pense pas que je puisse y aller. Ouais, là j'y suis pas allé, c'est sûr. Il est énorme celui-là. Alors je sais pas s'il y a besoin de se baisser, mais dans le doute, hein, je préfère. Qu'est-ce qu'il y a là? Alors au niveau des flashs là, comme il disait là au début du jeu. Ah tiens, là il y a un secret. Ok, super. C'est supportable si c'est ça les flashs, quoi. Même les gros bruits, il y en a pas tant que ça, des gros bruits, quoi. Donc là, ça serait tout droit. Faudrait que je descende d'ici, quoi. Mais est-ce que c'est faisable? Attends, il y a des trucs là. Nouveau dépôt. C'est quoi? L'endroit est rempli de cristaux, enfin, le lieu. J'espère que Belgin nous offrira un bonus pour cette découverte. Nous serons très riches bientôt. C'est ça, ouais. Ça, c'est pas mal, ça. Voilà. Je sens qu'il y a un petit succès si on allume tous les cristaux, non?
encore un lapin là. Par contre, ouais, faudrait que je descende tout en bas quoi. Ça, c'est peut-être la suite là. J'ai peur que ce soit la suite ici ou. Comme c'était indiqué sur le plan là, j'ai l'impression que c'était en haut quoi. Là. Donc bon, il va falloir que je descende. De toute façon, il faut que je trouve le sixième levier. Qui est normalement par ici. Alors ça, c'est. Non, lâche-moi, ça je l'ai déjà fait. Ah, quoique non, attends. Est-ce qu'il y a ça là? Juste qu'il faut trouver un autre levier pour cet ascenseur. Et je pense que c'est en dessous de l'ascenseur quoi. Donc, ok, donc là non. Par contre, ici on peut pas suivre les câbles. Enfin, si, à moins que. Non. Ah, mais là! Putain, je l'avais pas vu. Je le voyais plus à gauche là, le levier. Ah mais ça c'est l'endroit où on était là. Je l'avais fait à l'envers. Un petit conduit là. Donc là on a tout fait ici quoi. Il nous reste juste ce satané levier là qui. Ah, en dessous. Là. Non, non. C'est bon. Pourquoi il ressent de la nostalgie ici? Tiens. C'est une expression. Merci. Du coup, faut que je remonte. Alors, je sais pas si je dois aller dans la salle. Ou si je peux aller direct en haut. Bon, de toute façon, là, je suis reparti pour faire le tour. Hein? Ah, je crois que j'ai. Attends. Non, non, ça s'est fait tout seul. Je crois que j'avais dézoomé avec la gâchette, mais non. Putain, mais quand même, c'est assez impressionnant. Hein. Pour un jeu gratuit, ils ont envoyé du lourd, je trouve. Non, on n'apprend rien de plus. Non, mais je pense que ouais, c'est au-dessus, là, qu'il faut aller. Là où je commençais à monter. Mais là, on est qu'au chapitre 3 et bon. Je suis loin d'avoir fini quoi. En fait, je prends trop mon temps quoi. Allez. Ben c'est ça, mais bon, moi je suis très. Je suis très dans l'exploration, quoi. C'est ça le truc. Moi, le gros rush direct ligne droite, ça m'intéresse pas plus que ça, quoi. Ben, surtout que si je sais que le jeu est court, je vais pas m'amuser à faire ça, quoi. Bah c'est clair. Hein. Une semaine. Alors cette station de métro est définitivement fermée. Il est strictement interdit à quiconque d'entrer à cet endroit sans la permission, sans une autorisation spéciale de Belgin.
Ouais, moi je m'autorise. C'est bien fait parce que c'est pas juste en 2D quoi, on voit là le décor qui... Enfin, comme si c'était en 3D un peu. Si on regarde le fond là du tram, ça bouge en même temps. Enfin, c'est peut-être en 2D sur deux plans quoi, mais c'est super bien fait, je trouve. Ah, ok, ouais, j'ai monté tout ça pour redescendre. Allez, on descend. Ça marche, Darksteph. Bah, merci d'avoir été là. Passe une bonne soirée également. N'hésite pas à récupérer le jeu, hein, si ça t'intéresse, il est gratuit. Enfin, si t'as bien aimé. Et puis, bah, je te dis à très vite, à une prochaine. On y a été là? Bah, j'ai l'impression que oui. Attends, ça m'a servi à quoi là d'aller en haut alors? Est-ce qu'on a tout fait ici? Non? C'était pour redescendre. Ah putain oui, on a été là, mais je suis pas allé plus loin. Ok. Donc ça c'était bien. J'aurais pu aller directement là sans faire les 6. D'ailleurs ça a servi à quoi d'avoir fait les 6 6 interrupteurs? J'ai même pas eu de succès. Ça a servi à quoi en vrai? J'ai oublié un truc en fait. Fallait peut-être récupérer un truc après... Après avoir allumé ça. Merde. Ça m'a donné... Ah bah tant mieux alors. À la prochaine, ouais, Darksteph. Ah, j'ai eu un succès, alors ouais, j'ai peut-être pas fait gaffe. Oh, y a rien là. Attention, des... Putain, comment on dit ça? Excavation. Oh, je sais plus. Vous entrez dans un site archéologique de fouilles. Seule l'équipe de recherche est autorisée à y aller. Ouais, mais on va y aller quand même. Donc ouais, faire gaffe, tout s'écroule. J'essaie de quand même de raser les murs pour trouver un accès. Ouais, alors attends, j'ai pas envie de descendre là direct. Parce que je pourrais pas remonter. Je me demande si on va avoir d'autres orbes là, comme on a là, pour pouvoir sauter une troisième fois ou plus. Bien, j'ai trouvé un autre chemin par ici. Note à moi-même. Les pièges ne sont pas pour moi. Demandez aux gars. Les anciens, enfin, les anciens pièges. Je crois qu'il y a des... Il va y avoir des pics, des choses comme ça là. Oh putain, d'accord. Genre ce piège là quoi. Attends, mais je l'ai activé comment? Non mais j'ai pas touché de... Bon, je crois qu'il faut pas aller là. Le gars il s'est fait exploser, hein. Je veux dire là, il a son bras, son torse et la tête là quoi. Allez. Il y a une note. Je n'aurais jamais imaginé trouver les ruines d'une ancienne civilisation aussi profond, enfin profondément. On dirait... Alors attends. On dirait qu'ils utilisaient des cristaux. Et je ne sais pas... Enfin, comment? Enfin, quoi, comment s'en servir encore? Ah, là-haut, il y a... Là-haut, il y a un truc, là, mais... Il me faudrait un troisième saut, là. C'est vrai qu'on n'a pas eu de boss, là.
Là, il me faudra 10 sauts là pour remonter. Attends, comment? Je peux pas y aller là tout de suite? Putain, je sais pas. Il y a un taureau au fond. Il y a plein de morts aussi. Peluche de mouton, ouais. Ah, j'ai tapé dedans. Ah, donc c'est un pouvoir. Ah merde. D'accord, donc je peux dasher maintenant. Est-ce que je peux enchaîner? Ah, ça va me plaire ça. Putain, là c'est cool là. Passage du temps, j'ai cru voir, c'était un chapitre. Alors, tomber est parfois le meilleur moyen pour atteindre des hauteurs, enfin des endroits élevés. Ok. Un truc qui va me TP ou. Attends, genre là, faudrait que je tombe. Ah non, attends, déjà, est-ce que je peux. La vache. Bon, là, faut. Pas trop là. Prendre de l'élan. Ok. Ça sent que le dash il est violent quoi. Ah oui, bien vu, Peter Parker, ouais. Je vais pouvoir passer ce piège. Parce que là du coup bah, j'ai rien d'autre à foutre, là c'était juste pour choper le disque. Bon après, enfin je sais pas, t'as, oui si t'as un PC à toi, j'imagine Bob Retro, je pense pas que ce soit un jeu qui prenne beaucoup de ressources quoi, qui demande une carte graphique, enfin je veux dire une GeForce en dessous, enfin même une GeForce 900, je sais pas combien, 980 devrait faire tourner quoi, c'est pas, c'est un jeu 2D quoi. Après j'en sais rien, c'est vrai qu'il y a plein d'effets tout ça. Enfin, même sans parler de GeForce, hein, y a des cartes vidéo Intel, je sais plus comment ça s'appelle là. Je sais plus son nom, mais qui font tourner parfois des jeux alors que ça demande des ressources quoi. Ah, par contre, ouais, si t'es sous Linux, je crois qu'il est sorti que sur PC. Hein. Ils ont pas fait une version Linux. Après, tu peux faire une VM peut-être. Une VM Windows. Voilà, bon, là ça a peut-être commencé à craindre au niveau des perfs quoi. Non, j'ai fait le con parce qu'il fallait toujours continuer à courir. Ah merde. C'est... Là par contre la musique elle est bien quand. Quand tu te mets à courir. Ouais bon, c'est... je peux pas retourner en haut. Ok, on va continuer là. Ah c'est classe là. Je rate peut-être des secrets mais. En tout cas, je suis l'ami des lapins maintenant, j'ai leur pouvoir. Merde, j'aurais pu avoir ça. Putain, c'était limite. Le con. Là, là je pourrais passer une heure à m'arrêter à chaque fois voir ce qu'il y a derrière. Mais bon je pense qu'il n'y a rien. Là, j'ai l'impression qu'il te pousse quand même à foncer. Oh putain. Non c'est bon. Heureusement qu'il y a eu des rebords là.
Enfin, que Windows, ouais, bah ouais. Ah, c'était sympa cette petite phase là de vitesse. Purgatoire. Ah ouais, donc j'ai fait le chapitre 4, je l'ai pas vu passer. Ou alors c'était quand j'avais dit. Je sais plus ce que c'était le truc dans le temps. Ah oui, non, mais il faut que je cours. C'est donc une zone privée, cet endroit est officiellement interdit à quiconque. Vous exposez. N'exposez aucune partie de votre corps. Pour qui contaminerait l'air et quitter immédiatement. Enfin, partez. On est une peluche, c'est bon. Vous serez. Vous pourrez pas partir et. Vous serez bientôt. Ouais, ça craint. Oula. L'impression que je peux faire un dash en l'air, attends. Ouais, il fait un petit. Oh, c'est pas clair. Merde, attends, il y avait un texte. Si cette expérience est un succès, Belgin sera promu en tant que industrie, enfin la plus forte compagnie du monde en tant qu'investisseur. Investor, c'est quoi déjà? Je dois donc. Oh putain, je trouve pas les mots, ça c'est toujours pareil ça. Je dois assister à ce moment historique, voilà. C'est chiant de traduire, putain, je vous dis pas quoi. Surtout en direct comme ça, je déteste. Ah! Encore! Oh putain, c'est le Dark Beer quoi. Un bear plutôt. Je sais pas si je lui fais mal. Si je lui tâche sur la gueule. Là. Apparemment non. Ah, par contre là, ouais. Il peut être ton allié. Ouais, enfin, imagine, je dois faire Alt-Tab, chercher, revenir. Enfin, c'est bon quoi. En même temps, hein. Vous avez juste à lire et vous comprenez aussi. Sais pas si je dois faire que de l'esquive pour l'instant. Là, il fait son truc bizarre, là. Ah ok, c'est à ce moment-là que je peux l'attaquer. Bizarre, il se fout à moitié dans son bloc là. Je passe ça ou pas? Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, tu peux le péter. De l'élan. Allez go. T'es un Ewok. franchement, il est plus simple que sa première apparition, hein. Où fallait sauter. Ah mais attends, oulala, faut sauter en même temps. Oh le con. Il m'a claqué. Ah non. Si. Oh le con. Je pouvais plus bouger. Hein. Il faut que je saute à la fin. Alors oui. Ça c'est bien fait là, cette accélération. Ouais. Bien rétro.
Après, je sais pas si ça va l'attaquer si je fonce et que je saute. Est-ce que ça va suffire? Tenter, hein. Merci. Je vais peut-être avoir un nouveau pouvoir là. J'ai montré qui était le boss. Je peux voler. Putain, c'est pété ça. Il y a un passage là, non? Ah, je croyais. Oula. Attends, est-ce que je peux faire? Merde, c'est quoi, tu vois? Attends. Oui, c'est ça, mais. Ouais, non, c'est compliqué, je pense. Bon, vas-y, laisse tomber, c'est pas grave, on va le faire comme ça. Putain, on peut le refaire après. C'est l'ascension là. Ce truc. Oh, oh, énorme. Je connais cet endroit. Ah oui. On va dans l'espace là. Attends, c'est quoi ce délire? Apothéose. Merci beaucoup, monsieur Moa, pour le raid. Salut à tout le monde qui arrive. Putain, t'étais encore sur ce Gradus 2. J'espère que ça s'est bien passé. Ce message sera mon dernier message. Je n'ai plus de bouffe, de dos. Il n'y a aucun moyen de partir. Ce chemin était utilisé auparavant, il le sera encore. Pour ceux qui trouvent ceci, bonne chance. Quelle belle vue, hein. Enfin bon, le pauvre. Je peux le temps dire. Et salut Loïc du 24, bienvenue. Alors, je dis un peu. Ouais, alors, ça s'est bien passé, ouais, pour. Ton Gradus, ça y est, tu l'as à one credit. Ok, donc là j'ai réussi à passer. Putain, mais c'est céleste le jeu quoi, faut faire que monter maintenant quoi. C'est carrément ça en plus quoi. Mais putain, regardez-moi l'animation là des drapeaux, mais c'est énorme. Enfin, les drapeaux. Les draps, là. C'est magnifique, quoi. Vraiment. Par contre, c'est super haut, là, non? Ah oui, non. D'accord, t'es pas loin. Bah, écoute, hein, GG, hein. Surtout que tu joues énormément en ce moment. Tu...
C'est fou, tu satures pas quoi. Bien joué en tout cas. Voilà, je sais pas, je vais aller en haut à droite. Waouh, attends, il me faut un double. Attends, je vais faire ma technique là. Ah! Oh, il y a un chemin à droite. Attends, attends, il y a un chemin à droite. Yes. Alors, je sais pas combien il y en a à collecter hein, de ces trucs-là. The last one. En tout cas, je crois que j'en ai raté pas mal. Je crois pas avoir vu Vidil 3, 4. Oh putain. Il y a tout qui s'écroule. Non! Ah. Dommage. Putain, merde. Ah oui, tu te cognes, ça arrête le truc direct, quoi. Matrixé par ce Gradius, tu m'étonnes. Bon, tu vas y arriver. Ouais, j'y étais presque. Sinon, je vais faire ça. Hop. Voilà. Ouais, j'ai des rebords là, parce que... Ok, faut que j'aille là. Putain, on doit être super haut là, quand même. Ça marche, Bob Retro, merci d'avoir été là. Et je te souhaite une très bonne soirée, bonne nuit, et à très vite. Et peut-être qu'un jour ce petit jeu sortira sur Linux. Putain, d'accord, attends. Je m'attendais pas. Une phase de plateforme de ce style. Alors, je crois que je suis obligé de faire les doubles sauts quand même. Hein. On va faire comme ça. Oh putain, ouais, non, mais là c'est trop. Ou alors, le double saut, ça me permet d'éviter le premier. Bon, je vais le faire sans double saut. Ouais, mais putain. Par contre, c'est ça le problème. Oh, c'est bon, j'ai réussi à récupérer. Oh, c'était tendu là. Oh, allez. Oula, j'ai l'impression que j'ai fait un grand saut. En sautant en même temps à la sortie du... Non, non, ça n'a pas marché. Je dis de la merde. Bon, ça sent la fin quand même. Tu as finalement réussi, petit être. À présent... compléter ton voyage, tu dois rendre les pouvoirs que t'as pris, ton histoire dans ce monde prendra fin. C'est triste. Je dois les mettre où là, les pouvoirs? Putain, c'est... Franchement, c'est vraiment joli. Putain, le con! Il est obligé de faire un petit saut comme ça avant de dasher. Non mais cette mise en scène, ils étaient pas obligés de faire un truc aussi, je vais pas dire abusé, mais c'est un jeu gratuit, ils te font un truc de ouf, quoi. Les gars, ils ont tout donné. C'est Stargate. Attends, mais je peux rien faire avec cette merde, là.
certes. Ah non, 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 calme. Putain. C'est trop vénère le dash quoi, c'est. Il s'emballe direct quoi. Bon là je scanne. Donc ok, pas de chemin. Où j'allais la lumière là? Ok, on va allumer les torches. Putain, mais cette flamme, elle, c'est super bien fait quoi. C'est l'effet de lumière est vraiment joli quoi. Alors, ah merde, il m'a arrêté. Oh non, c'est encore l'ours fou. Ah non, je crois qu'il s'inclinait. Ah, c'était le truc qu'il possédait, ça, non? Ah ouais, d'accord. Attends, je vais me battre contre ça et l'ours. What? Il m'a sauvé. Faut que je me serve de l'ours pour me protéger. Tiens. Il y a un truc à faire sans doute, mais. Ah, peut-être qu'il fonce là-dedans là. Je vais peut-être aller choper l'autre torche. Attends, c'est l'enfer. Voilà, peut-être que ça va faire quelque chose ça. T'as la musique qui s'emballe. Où il est. Putain, j'avais plus le pouvoir de voler. Et je l'ai paumé. Et je l'ai plus. Ah oui, je suis en train de rendre mes pouvoirs en fait, c'est ça. Ah oui, je suis en train de rendre mes pouvoirs en fait. Oh, putain, je crois que j'ai de la chance là. Ouais voilà, ouais c'est ça. Donc là je vais plus pouvoir courir. C'était quoi en haut à gauche alors? C'était quoi le pouvoir de feu là? Parce que il y avait le vol, il y avait le double saut. D'autres je sais pas. Attends, je vais me faire défoncer. Ah ouais là ça va être chaud là. Je vais rester là. Je me fais tellement repousser là quand ça explose. Oh merde. Oh c'est bon. Putain vite. Attends, comment je monte là? Ah il faut que je l'attende. C'était pas mal ça mais... bien le faire. Oh putain. C'est une catapulte quoi. Donc là ouais j'ai plus aucun pouvoir. J'ai plus de double saut, j'ai plus rien là, c'est c'est le cauchemar là. Ah non mais c'est clair, c'est impressionnant quoi.
Je vais me faire aspirer. Attends, ah si je peux. C'est moi qui bouge ou c'est. Ah si, si, c'est moi. Ah merde, l'ours il est. Faut que je l'embarque. Mais il est. Il est plus. Enfin, je sais pas, il est plus possédé là ou. Enfin, je sais pas si c'est une peluche l'ours, j'en sais rien en fait. Eh ben. Alors, je sais pas trop où on a été TP. Ah, The End avec un point d'interrogation. Alors, peut-être qu'il faut avoir tous les disques ou je ne sais quoi pour avoir une autre fin. Ou alors. Ce que tu me disais, Choupi. Enfin, quand on parlait de ce jeu. Peut-être que c'est une démo. Pour un plus gros jeu qui viendra de leur part, quoi. Je sais pas. En tout cas, si c'est le cas, clairement, j'attends leur production. C'est magnifique ce qu'ils ont fait, quoi. Et franchement, ils auraient pu le rendre payant, cette démo. Enfin, cette démo. Ce petit jeu. Bon, à pas cher, hein. Et, je vais pas dire vendre ça à 10 euros, 15 euros. Peut-être que c'est un peu beaucoup. Ou alors, faudrait quelques niveaux de plus, quoi. Mais ils méritaient quand même. Mériteraient quand même quelque chose, quoi. Voilà, c'est une démo intro pour un gros jeu. Peut-être, ouais. Bah franchement, si c'est le cas, ils ont ultra soigné la démo, quoi. Alors, je me suis pas renseigné, hélas, mais est-ce qu'ils ont fait d'autres jeux? Parce que déjà, le studio, ça me dit rien du tout. En plus, ça a l'air quand même bien. Ça c'est Mister Suicide Ship. C'est quand même bien proche de Shippy quoi. Enfin, comme si c'était leur premier jeu quoi, je sais pas. Ok Maxime, attends mais c'était français? Pierre? Régis? Ou alors non c'est... Bah non, il n'y a pas de traduction française. Putain, j'aurais dû me renseigner, c'est quoi comme... Comme société, quoi. Non, là, il n'y a pas de nom. C'est un peu mélangé, quoi. C'est canadien. D'accord. Bah, je comprends, ouais. Il y a des pseudos, là, maintenant. Peut-être ceux qu'on testait. Ou... Non, franchement, très bonne découverte, hein. Merci bien, Choupi. Ah, tiens, regarde, Wonky, Looper, Edward. Et JDG pour m'avoir aidé à dormir. Énorme. Il a réussi à dormir avec Cooper. Enfin, je veux dire, les vidéos d'Hooper l'endorment. L'endor arrive à l'endormir. Merci d'avoir joué. Ouais, non, c'est... Bon, de toute façon, quand j'avais vu un peu la gueule du jeu, j'avais lu quelques avis, déjà, il était super bien reçu, hein. Dans les avis Steam, il y avait vraiment des avis très peu qui étaient négatifs. Le seul avis négatif que j'ai lu, c'est... C'était juste marqué « On s'emmerde ». Bon, en anglais, hein. C'était bon, ok, hein, super. Ça, c'est de l'argument. Mais non, non, faut voir commencer amener quoi sur tout le jeu et franchement sur beaucoup de points il est fort quoi. Même niveau gameplay, alors c'est vrai que peut-être au début, parce que le gars il a dû faire que le début, on s'emmerde parce qu'on fait que marcher. Mais là on a bien vu que quand on a eu les pouvoirs, ça commençait à devenir un peu plus vénère niveau gameplay quoi, surtout le dash. Hein. Surtout le dash qui est vraiment vénère quoi. Bon bah c'était bien cool en tout cas. Je sais pas s'il y a autre chose, il y avait quoi là? Non, il y avait pas grand chose. Est-ce qu'on peut faire continue et choisir son chapitre? Je pense pas. Là ils vont me refoutre juste devant le boss, j'imagine.
Parce qu'en fait, les sauvegardes sont automatiques, hein, il n'y avait pas moyen. Voilà, je suis en haut, ouais, je suis pas grand chose en fait. Possible à faire. Ouais. Bah écoutez, je vais passer donc sur. Merde. Ah, bien joué sur la fin. Désolé.